Et ben on peut les applaudir très fort, voilà, juste derrière Bastien. Allez, là c'est l'arrivée de Paul et Étienne. Paul et Étienne, junior, deuxième équipe junior hein, de la compétition. Bastien et Thomas étant les premiers. Bien joué les gars. Allez, attention, le premier lit, surpillant de la génération, premier lit, arrivons. Alors, les applaudis très forts, les 10, Wilfried, Dimitri et Alain, Pellagamba. Oh là là, les vétérans qui terminent les premiers lits, ah. Et les écrins. Ah, ils ont déjà cartonné hier, hein. Allez, on les prend en photo. S'il vous plaît, on les applaudit très fort. Les premiers lieux, mais c'est pas vrai. On vous attendait dans une demi-heure. Regarde les écrans comme il est content. Regardez les écrans. Hein. Alors, hey, les impressions par rapport à hier, il commence. On a dit que ça allait être plus joueur, plus rythmé. Beaucoup plus rythmé, beaucoup plus technique, Déjà hier, vous l'aviez dit, mais oh, les gars, vous êtes des vétérans, vous n'avez jamais de combattre sûr. Si, comme tout le monde. Hein. Donc ce matin, c'était dur quand même de prendre le départ. Non, ça a bien, récupéré hier et dans bon rythme, on a mis beaucoup de rythme au départ. Alors si on met une différence entre le paysage que vous avez pu voir hier et le paysage que vous avez vu aujourd'hui, la meilleure des deux journées, c'était laquelle? Moi, le paysage était beau tous les deux, c'était super beau hier avec le pic et tout, c'était extraordinaire. Aujourd'hui, c'était très sauvage, très beau. Et surtout...